vous savez, hein, vous là. Ah! Venez, appelez Aaron. Appelez Aaron Boupenga. Aaron, toi, viens un peu ici à un moment donné. Parce qu'apparemment, personne ne veut te conseiller, mais moi, je vais te conseiller. Sauf que je ne vais pas te conseiller sur Facebook. Vraiment, je ne vais pas te conseiller sur Facebook. Je préfère te voir directement. Voilà. On va s'asseoir, on va discuter, on va parler. Aaron, c'est pour te dire qu'il faut qu'on s'asseye, toi et moi. Je vais te parler. J'ai des choses à t'expliquer, à te conseiller pour que demain, après-demain, tu ne retombes plus dans ce genre de d'histoire-là. J'ai vraiment beaucoup de choses à t'apprendre. Énormément de choses à t'apprendre, Aaron. Aaron. Trop de choses, je dois te t'expliquer. Comment tu peux faire? Comment tu peux fonctionner? Comment tu peux le faire? Ah! Boupenza est une panthère du Gabon. C'est un enfant très talentueux, mais vraiment très talentueux. C'est un enfant que nous devons garder, mon Dieu. Zébi, quel potentiel sportif. Quel potentiel, mon Dieu. Quel, vraiment, hein? Tu as du potentiel, tu travailles bien, mon frère. Tu es vraiment un être humain que tu vois là, papa. Il a du talent. Il est beau, joli garçon, joli comme ça. Hein? Le potentiel existe dans ce pays. Depuis quand? Où marchons-nous, nous autres? Où allons-nous dans ce Gabon-là? Où circulons-nous? Où circulons-nous? Qui sommes-nous dans ce pays? Mais nous, nous sommes ici dans ce même pays, dans ce même Gabon, il y a les Gabonais. Donc il y a les... Mais Aaron, en fait, on va faire une pétition, les filles. Il nous faut une statue de Aaron Boupenza à l'aéroport. Dès que l'avion atterrit, on doit connaître que dans le Gabon, il y a les garçons, il y a l'homme ici. Partout il passe, il ne doit jamais manquer à manger. Il ne doit jamais manquer à boire dans toutes les maisons où il va s'arrêter. Ça, c'est un enfant. Vraiment, il n'était pas hors jeu. Il ne sera jamais hors jeu. Jamais. 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 C'est-à-dire, quand l'enfant est sur le terrain, il y a un terrain de football, parce que c'est un footballeur. C'est un footballeur qui a les techniques, vraiment. Il tacle, il remonte, il rétacle. C'est le but. C'est au fond des filets. C'est un problème dans la capitale gabonaise, mon frère.